pas. C'est dramatique. Elle est dans un état. Elle est un peu pavate aussi. Il a bien bu. Il est peut-être super fatigué aussi. Hein. Elle respire pas bien? Si, si, non, il y a une arythmie, je sens son cœur qui bat en fait, et c'était pas très régulier, mais ça se cale sur la respiration, donc c'est que c'est normal. D'accord. Il y a un souffle. Après, si elle est anémie, si elle a l'air de choses, enfin, ça peut expliquer. Hein. Bien sûr. De toute façon, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, ça, déjà, c'est faire un rattrapage de peau pour voir ce que c'est. Parce qu'il y a forcément un parasite et puis un snap test pour voir quand même elle est pâle et il y a quand même un souffle. Donc, au niveau de diro, hermitieuse, savoir un peu où on va, non? D'accord. Ça va, okay. Si on fait ça déjà dans un premier temps? Ouais. Un chien à ce stade, hein? C'est dramatique. Vous envoyez des fois ça me va comme ça? Bah non, finalement c'est ici que j'envoie le plus parce que c'est ici qu'on bosse le plus avec des assos finalement. D'accord. Okay. Et ils en ont beaucoup comme ça? Ouais. Enfin beaucoup. C'est ça arrive quoi. C'est vrai qu'à Saint-Benoît, finalement, on travaille moins avec des associations, donc on a moins des chiens dans cet état. On a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui ont des chiens juste pour la chasse, ou... mais bon, ils ne les laissent jamais arriver dans cet état-là quand même.